J'ai entendu tes pas. Ravi de te revoir. Si tu veux en savoir plus sur l'oiseau, je peux te le décrire. Rien ne me ferait plus plaisir. C'est une statue majestueuse, fabriquée à l'aide des lames de soldats tués. Elle se trouve si haut au-dessus de Stymphale et des champs dorés que j'ai réussi à oublier qu'il y avait la guerre. Alors, elle est telle qu'on me l'avait décrite. L'oiseau commémore le combat d'Héraclès contre le chaos et se trouve sur un lieu de calme. Espérons que l'un inspirera l'autre. Bien. Je suis allé aux 5 endroits que Thémistocle t'a décrit dans ses récits. Et mon âme t'en sera éternellement reconnaissante. Autour du mien, Thémistocle est mort paisiblement en Perse, comme l'un des nôtres. Je lui avais promis d'aller voir les lieux dont il m'avait parlé. Ces récits ont survécu en moi et le feront en toi. Et ta propre histoire ? J'ai laissé croire que Darius avait réussi à me tuer afin de pouvoir m'enfuir. Artaxerxès, il y a autre chose que tu dois savoir. Oui. Mon grand-père était Léonidas de Sparte. Ce qui veut dire ? Ton père, le roi Xerxès, a tué mon grand-père. Et les liens du sang t'obligent à le venger. Artaxerxès, roi Félon, cette Mystios m'a mené à toi. Il est temps de terminer ce que j'ai commencé. Cassandra, je t'en prie. Place-toi derrière moi. Artaxerxès, tu es blessé ? Malgré ton obligation de venger Léonidas, tu m'as sauvé. Merci. Je n'ai pas eu le choix. Cet homme voulait te tuer. Probablement un de ses exécuteurs. Oui, s'il ne regagne pas la Perse, mon frère en enverra un autre, puis un autre. Il est temps pour moi d'accepter mon sort. Tu as du courage, Artaxerxès. Un trait que je dois à Thémistocle. Quant à toi, maintenant, je dois te payer. Eh bien, je t'ai sauvé la vie et je suis parti à l'aventure pour toi, votre grandeur. C'est vrai. Et j'ai eu l'impression d'entendre de nouveau Thémistocle dans tes récits. Tu trouveras ta récompense au tombeau de Salamine où Thémistocle a caché son trésor. Il est près de l'endroit où mon ami a triomphé de la marine de mon père.